Imagination. Concept. Proche de ses abonnés. Multigamer. Multiplateforme. Youtubeur nouvelle génération. Monsieur Coty s'occupe de tout. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo non découverte, non test, mais c'est une vidéo unboxing ou déballage de la Wii U édition limitée Zombie U. Mais avant de commencer par le déballage de cette console, je vais juste vous montrer l'accessoire, ou on va dire l'utilitaire qu'il vous faut pour capturer la Wii U avec l'HDPVR ou le Game Capture HD. Parce que malheureusement, on n'a pas d'entrée HDMI sur ces deux outils de capture. Donc voilà, faut prendre ceci. C'est le câble U de la Wii. Ça fonctionne très bien avec. Donc après, je ne sais pas si on pourra bien lire, mais voilà. En gros, le petit schéma. Je vous expliquerai plus ça en détail. Donc on va l'ouvrir vite fait. Ça coûte 24,99€, si mes souvenirs sont bons. Ça, c'est les... On s'en fout un peu, c'est la notice pour ceux qui ne comprennent pas comment ça marche. Mais voilà, on a le grand embout qui sert à brancher sur la Wii U. Les autres fils ici qui servent à brancher à l'HDPR par exemple. Et puis c'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc on va pas s'attarder sur ça, c'était juste pour préciser pour ceux qui aimeraient capturer sur l'HDPVR ou sur le Game Capture HD. C'est chose faite. Sinon... On va faire un petit déballage du New Super Mario Bros. Wii U. Donc après, faut aimer le bleu, parce que c'est souvent en bleu. Voilà, j'essaie de. Hop. Après, il n'y a pas grand chose à dire sur ça. C'est assez basique. On va juste l'ouvrir pour ceux qui aimeraient savoir s'il y a une notice ou non dans les jeux Wii U. Bonne question, mais moi je sais pas du tout s'ils ont fait une notice ou s'ils ont fait une feuille de papier en noir et blanc pour faire un semblant de notice. D'ailleurs, désolé si le son n'est pas aussi bien que d'habitude, parce que je capture le son avec. Mon iPhone, du coup après le son est peut-être un peu plus dégueulasse. Hop, donc en gros, nous avons, ça c'est quoi? C'est une, ouais, c'est un code PIN pour, ouais sûrement des points, des conneries à la Big N. Ok, il n'y a pas de souci. Ensuite, nous avons la notice du jeu. Des points, enfin ouais, ça explique un peu, voilà. Vu que c'est des tout nouveaux jeux, c'est un nouveau système, donc il explique un peu comment ça marche pour jouer avec, tout simplement. Avec une belle carte, hop, je sais pas si vous la voyez, là on la voit super bien en plus, qui détaille un peu le monde de ce nouveau Mario, que je ferai peut-être en let's play, on verra bien. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai à plusieurs, pourquoi pas des fois à 4 avec des invités, on verra bien. Là on a une notice, voilà, comme je disais, en noir et blanc, rien de bien passionnant. Ouais, c'est pas très... on peut passer directement. Et là, le petit CD... Hop, donc avec le logo Wii U ici, mais sinon c'est assez basique. Voilà, on va passer au plus important. Je voulais bien vous préciser, vous montrer un peu hein, quelque chose de différent par rapport aux autres qui montrent seulement la console. Je me suis dit, expliquer comment capturer sur deux systèmes et montrer un petit jeu, c'est intéressant. Donc nous avons le pack Zombie U. Qu'est-ce qu'il y a dans ce pack logiquement? Bah, il y a la mablette voilà, qui est ceci. Qui nous sert de gamepad, on va dire ça comme ça, et de pouvoir jouer si la télévision est éteinte. Ça dépend des jeux, je vous expliquerai plus ça en détail pendant la vidéo, par exemple, de certains jeux. Nous avons la Wii U qui est ici, enfin, c'est logique. On a le jeu Zombie U, voilà, c'est simple. Et on a le Game Pro, ou Gamepad Pro, je sais plus comment il s'appelle vraiment. On verra ça quand on ouvrira la boîte. Et juste pour vous montrer l'arrière de la boîte qui est différent des autres packs, il me semble. Hop là, voilà, donc c'est une édition limitée Zombie U, après rien de plus, rien de bien folichon. On va commencer par l'ouvrir. Je tiens bien à préciser que on l'a pas ouvert, il n'y a rien du tout. Là ça nous explique, hop, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, mais on va découvrir ça en ouvrant tout ce qu'il y a avec. Alors, nous avons ceci. Qu'est-ce que ça peut bien être? Bah, je pense que c'est sûrement un câble USB pour recharger la mablette. Que vu l'embout, ouais, je pense que c'est ça. On verra bien ça quand on va essayer. Alors, petite boîte cartonnée. Sûrement avec le Game Controller. Si je dis pas de bêtises.
que si c'est le game controller, c'est-à-dire que le câble USB sert à recharger ce game controller. D'ailleurs, l'autonomie, on m'avait dit que c'était 8 heures environ. Ouais, voilà. Donc, le game controller, qui est assez beau, j'ai envie de dire, mais qui doit beaucoup prendre la poussière, vu la couleur assez. C'est un peu comme la Play, c'est assez. C'est du noir laqué. Alors, qu'est-ce que c'est que derrière? Il y a un bouton ouais, pour synchroniser, pardon, voilà, un bouton pour synchroniser. Ouais, c'est assez basique. Moi, je trouve que ça ressemble pas mal à la manette de la 360, sauf que le stick est en haut au lieu d'être en bas. Je trouve ça un peu déstabilisant au premier abord. Et voilà, la spécificité de ce pack Zombie U édition limitée, c'est qu'on a cette manette en plus, qui coûte quand même 50 euros à peu près. Donc c'est pas négligeable pour les hardcore gamers qui veulent jouer à des jeux pardon, comme Assassin's Creed 3, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons dans cette grosse poivrette? C'est un peu compliqué, voilà. Au pire, retourne-la et... Alors, je vais dire beaucoup de fois alors, hein, je sais. Veuillez m'excuser, hein, c'est... Je fais pas beaucoup d'unboxing, malheureusement. Donc, voilà, pour changer de mot, là on doit avoir toute la paperasse. Je sais que ça intéresse pas grand monde, mais au moins je vais tout vous montrer. Voilà. Encore une fois, ça c'est la magie Nintendo qui vont essayer de nous vendre pour avoir des points, pour gagner peut-être des nouvelles tenues pour le Mi. Je sais pas comment ça va se passer. Tout ce qui est voilà, information importante et compagnie. Ça, ouais, non, après on peut passer les manuels, les notices, tout le blabla. C'est bien pour ceux qui n'ont jamais joué à une console. N'a jamais déballé ou autre. Hop, bah, Zombie U qui est offert avec. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de. C'est déconseillé au moins de 18 ans. Par contre, ce qui est dommage, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de plastique pour Zombie U. Moi, j'aurais bien aimé avoir un petit plastique. J'aime bien ouvrir un jeu, enfin un blister si vous préférez. Alors après, c'est simple. On a déjà fait le déballage de Mario, donc. Voilà, pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble le CD de Zombie U, bah voilà, assez stylé je trouve. Pour une fois que Nintendo va avoir un jeu, on va dire, hardcore gamer, c'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce donc que ce petit fil? D'ailleurs j'ai une question à vous poser pour ceux qui écoutent toujours. Vous préférez quoi? Parce qu'aujourd'hui, enfin vendredi, je vais poster la vidéo du déballage. Ensuite, samedi, vous préférez avoir une vidéo sur quoi? Sur Zombie U ou sur New Super Mario Bros? A vous de me dire que dans les deux cas, il y aura une vidéo samedi, une vidéo dimanche. Mais à vous de me dire si vous préférez avoir Zombie U avant ou New Super Mario Bros Wii U. Voilà. Donc ça, je pense que c'est le chargeur pour charger la mablette. La mablette qui est la tablette tactile. Hein. Ça s'appelle comme ça parce que c'est comme une manette et une tablette. C'est le mélange des deux. Donc mablette. Après voilà, c'est assez simple. Alors, le chargeur secteur, désolé. Bien sûr, on n'a vraiment rien ouvert, hein. C'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Je voulais vraiment partager ça avec vous. Hop. Je sais pas c'est quoi cet embout. Ah oui si c'est l'embout secteur pour brancher, pour alimenter la console. Ils ont fait jaune, j'aime pas trop le jaune, mais bon, faut faire avec. Après t'es pas obligé de l'ouvrir. Ce qu'on veut voir, ce qui est le plus important, arrive très prochainement. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? Ah oui, je dois comprendre c'est quoi. C'est la chose qu'on pose au milieu de la télévision. La chose qui capture les Wiimotes. On l'avait déjà sur la Wii, donc si vous l'avez sur la Wii, logiquement, ça passe aussi. C'est ce qu'on pose en plein milieu de la télévision pour que les Wiimotes soient détectés. Par contre, c'est pas disponible dans le pack de base. C'est disponible que dans ce pack-là et dans le pack Nintendo Land. Donc faites attention de ne pas vous tromper de pack si vous voulez ce petit ustensile qui doit coûter quand même 15-20 euros tout seul. On a un petit dock de chargement ouais, pour la mablette, logiquement. Je dis pas de bêtises, mablette ou le gamepad, hein. De toute façon il y en a plusieurs des subs, donc à ce niveau-là Nintendo ils ont pas été trop radins, ils ont passé pas mal d'accessoires, parce que la mablette, je ne sais plus a fait combien de
a fait 500 grammes, parce qu'en fait, à côté, j'ai mon écran de PC pour voir les caractéristiques de tout ça, a fait 500 grammes, donc porter 500 grammes sur la main, c'est assez chiant. Faut avoir un petit support pour la mettre en face de nous, de pas avoir besoin de la porter. Alors là, qu'est-ce qu'on a encore une fois? Ouais, tout ce qui est petit accessoire, je sais pas trop ça sert à quoi pour l'instant. Mais ça a le mérite d'être là. Ici, nous avons... Qu'est-ce que c'est que ce petit truc? Y a rien écrit. Ah bah c'est le câble HDMI, pardon, que je regardais, donc du coup j'ai un peu zoomé comme un porc. Bah, c'est voilà, la grosse révolution de Nintendo, c'est que Nintendo est enfin passé à l'HDMI. Et c'est bueno. Moi par contre je vais passer en UV pour les captures. Mais je pense que hors capture, je passerai en HDMI pour que ce soit plus simple. Et puis voilà. Mais au moins ça a le mérite d'être clair. Nintendo passe enfin à l'HDMI alors que tout le monde y est passé il y a déjà plusieurs années, pardon. Et voilà. Le plus intéressant, désintéressant, oh, pardon, c'est pas grave, laisse-le comme ça, j'ai mis un coup de pied sur le carton, pas bien grave. Donc, on va ouvrir ce qui est à droite, parce que si on prend ce qui est à gauche, c'est, ça porte malheur, paraît-il. Alors voilà, le Messi, le Graal, comme diraient certains, pour tous les fans de Nintendo, qui n'ont jamais osé s'aventurer sur une PlayStation 3, ou une Xbox, ou PC, parce que faut pas oublier que PC, ça rocks du poney. Mais sur PC, on n'a pas les jeux Big N, par exemple, on n'a pas du Mario, du Mario Kart, du Metroid, du Zelda, du Super Smash Bros. Et compagnie. Donc, bah, montre-nous la façade avant, s'il te plaît. Voilà, la façade avant. Si vous voyez que c'est plastifié, c'est normal. Je vais vous montrer vite fait. Attends, juste le devant. Hop, ici, on a le bouton éjecte, pour éjecter le disque. Ici, power pour allumer. Attends, on va même si tu peux l'ouvrir s'il te plaît avec une main. Ouais, c'est un peu bizarre le plastique qu'ils ont fait. Hop, donc comme je disais, eject, power. Ici on a le truc pour synchroniser la manette ou la mablette. Là il y a quoi, je sais pas. Voilà, alors c'est là où on peut mettre la carte SD si on veut rajouter de l'espace pour le disque dur. Et on a deux ports USB. Voilà, c'est assez simple. Au moins, c'est bien, ça se cache assez bien. Je sais pas comment ça se remet, par contre. Hop, bah voilà, ça se remet comme ça. Par contre, oui, vous voyez, je sais pas si vous allez pouvoir voir, là, il y a déjà des traces de doigts. Ça qui est super chiant avec le noir, c'est que dès qu'on met son doigt, bah, il y a les traces. Voilà, on va montrer la face arrière. Parce que... Par contre, moi, je trouve que la Wii U ressemble beaucoup à une Livebox. Je trouve pas ça très très beau, mais bon, faut faire avec. Alors, ici... Nous avons l'emplacement. Si mon doigt est blanc, c'est normal parce que j'ai mis un peu un éclairage avec mon iPhone. Voilà. Ici, nous avons pour brancher le secteur. Ici, c'est le sensor bar. Voilà. Ça s'appelle comme ça la petite barre que je vous ai montrée pour mettre en milieu de la télévision. C'est pas ça, c'est mis ici. Ici, c'est l'emplacement où je vais mettre mon fil pour le UV, tout simplement. L'HDMI, c'est ici. Et ici, c'est de l'USB, encore une fois. Donc, nous avons 4 ports USB. Et ici, c'est le ventilo, tout simplement. Pour alimenter. Attends, montre-moi la console un petit peu de loin. Voilà, juste pour voir à quoi ça ressemble. Si tu peux la retourner un petit peu, comme si tu faisais téléachat un petit peu. Voilà. Donc oui, ça ressemble vraiment à une Livebox. C'est pas terrible, mais bon, faut faire avec. Là, voilà, on a toutes les sorties d'Alim. Faut pas qu'elle surchauffe trop. Mais elle est assez classe. Franchement, elle est vraiment classe. Et je suis vraiment content de l'avoir eu en noir plutôt qu'en blanc. Allez, on va passer à la chose qu'ils ont limite plus vendu que la console au final. Je perds ma voix. Donc l'unboxing va durer 15 minutes, c'est pas bien grave, ça dure plus longtemps. Au moins je prendrai bien mon temps pour vous présenter tout ça. Donc ça fait, pour la taille de l'écran, ça fait 15 cm 8. Après moi, ça, c'est un peu déstabilisant d'avoir une grosse tablette comme ça avec deux sticks. Je sais pas comment ça va se prendre en main. C'est un peu étrange au final. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire en plus? C'est, il y a des vibrations. Il y a un port, normalement, pour, un port, pas un cochon, hein, mais il y a un port pour brancher un casque. Voilà, c'est ici. Voilà, on a un port pour brancher un casque. Et à côté, on a sans doute pour recharger la mablette. Mais ce qui est bien, c'est par exemple, si vous jouez à la télévision, si vous jouez et que votre mère, votre femme ou n'importe qui vous dit
Eh ben, arrête, il y a du bruit et tout, il y a l'enfant qui dort, baisse le son. Eh ben, vous mettez votre casque en prise sur la mablette et vous pouvez continuer à jouer sans faire chier personne. C'est vraiment excellent. Après, ici, je ne sais pas ce que c'est, ça. Enfin, sinon, c'est juste un petit dessin, je pense. Là, nous avons quelque chose. Je sais pas du tout c'est quoi. Ouais, c'est sûrement les haut-parleurs du. Parce que quand on joue à Zombillon, on a du son qui sort sur la mablette, un son prédéfini, et on a un autre son qui sort avec tout simplement le son de la télévision. Après, on a ici le power. Oups, il y a un fil qui va tomber, attention, voilà. La télévision, la batterie. C'est assez simple, voilà. Et juste derrière, si tu peux nous montrer, qu'est-ce qu'il y a? Ah, pardon, attends, on va montrer. Donc, YBXA, on a le bouton Start et ensuite Select. Ici, pardon, nous avons la caméra. On pourra se prendre en photo pour certains jeux, pour des records, comme j'ai déjà pu faire pour le PlayStation Move. C'est assez sympa, je trouve ça assez stylé. Si tu peux juste nous la retourner, s'il te plaît. Voilà, donc il y a deux sticks, comme dans chaque nouvelle manette, il y a R, RZ, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça Z encore une fois, ils aiment beaucoup ça. Alors l'autre côté, on a L et LZ. Ici, ce qu'on n'avait pas vu tout à l'heure, il y a quelque chose pour augmenter le son. Attends, juste ici, là, on a, voilà. Pour augmenter le son, ici, il y a l'emplacement pour le stylet. Si vous voulez acheter d'autres stylets, c'est disponible en blanc ou en noir. Ça coûte 2,99 € les trois stylets. Donc à ce niveau-là, c'est pas bien cher, c'est même, on va dire, c'est un assez bon prix. Donc si tu peux nous montrer ça un petit peu de loin, s'il te plaît. Voilà, nous la tourner, pour voir à quoi, voilà. Fais-nous un petit téléachat. Bah, dites-moi ce que vous en pensez pour l'instant. Si vous allez la prendre pour Noël ou pour plus tard, le prix de ce pack est entre 350 et 400 €, ça dépend l'enseigne que vous prenez. Le pack de base coûte 299 ou 270 suivant l'enseigne où vous prenez ça. Si vous voulez les meilleurs plans pour la Wii U, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel pack vous voulez. Je vous dirai quelle enseigne fait les meilleurs plans. Il y en a qui offrent 50 € d'achat, donc un jeu gratuit, d'autres baissent de 30 € et compagnie. Donc dites-moi tout ça, dites-moi comment vous avez pensé ça, si vous avez trouvé que le unboxing était intéressant ou non. Je sais qu'il a pris un petit peu de temps, mais bon, c'était mon premier sur ma chaîne, donc je voulais faire ça bien. Et n'hésitez surtout pas à me dire si vous voulez Zombie U en premier ou New Super Mario Bros. Voilà, tout simplement. Nous, on va se quitter maintenant, on va brancher tout ça et on va s'amuser un petit peu. On va faire d'abord la mise à jour, ce qui dure quand même 1 heure, et on va s'amuser. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Salut!